Mais ça change rien, c'est un vieux business. Lui il est tout petit, juste pour dire qu'on a un rideau aux gens. Voilà. Donc rendez-vous tout à l'heure pour le soleil. Mais ils sont déjà là, moi. Bien Dior, bien lunettes, bien tard, bien. En fait. Là je suis prête. Pitié en fait. Allez, rendez-vous tout à l'heure. Au soleil. Donc j'ai tout ressenti. Déjà là-bas, quand on n'avait pas de billet, elle était stressée, elle me parlait plus. J'avais trop mal au ventre. J'étais sereine. J'étais à deux doigts de pleurer, moi. Bah, on était sur liste d'attente et tout, ça fait peur. Comment t'as expliqué à ma famille que je reviens, moi? Qu'on a réveillé le chauffeur à 3h du matin. Putain, je vais dire à ma mamie qu'on revient. Non, attendez, je vais mettre pyjama. J'ai dit, je viens pas te chercher. Ah oui, oui. Ah, je lui ai dit, il va trouver une solution. Ah non, Christian. Bon, allez. Alors, on est arrivé à Diego comme des stars. Là, on sent la chaleur là maintenant. Ouais, de ouf. Là, on est content. Il n'y a plus l'écharpe de tout à l'heure. Il n'y a plus l'écharpe, il n'y a plus les vestes, il n'y a plus rien. Allez. Là, les cocotiers, le soleil, c'est tout ce qu'on a demandé. On est bien arrivé chez Samina, je vais vous faire un house tour. Franchement c'est trop beau chez elle, c'est archi grand. Et la maman Samina nous a fait des moukars et des... Non mais je m'en fiche, t'inquiète. Des moukars avec... des moufakouch, des moufgash, moi je sais pas comment on dit les gens de Diego. Et c'était archi bon. Et là je bois du jus de corosol. Voilà. Donc après je vais vous faire le house tour. Samina, tu fais le house tour après? Oh, on fait ensemble, tu t'as capté, dis bonjour. Hey! Après, on va être belle, ok? Oui, là, on est moche. Mais après, c'est après. Mm. Voilà. Ça va bien se passer. J'ai pas montré la nourriture. J'ai montré déjà. Ah oui, ma chérie. C'était pas là. J'ai dit que j'ai mangé des moufkounj avec des moufgash. Je sais pas comment on dit chez vous. Mais c'était bon. Et du thé de gingembre, mais ça m'a trop arraché la bouche. Moi, je peux pas. Vous me connaissez, hein. Moi et le piment. Mais voilà. Donc voilà. Là. La maison est trop belle. La maison finale est trop belle, hein. Je vais vous faire le house tour. En plus, c'est grand, c'est spacieux. Tout ce qu'on mérite. Mmh. Bonjour. Mmh. Oh. Oh. Voilà. Bon. Les gars, on a fait la sieste et tout. Je vous ai pas pris. Là, je me suis fait un sucre. Il faut que je jette là. Et là okay. On va pas jeter ça. Ah ok. Bon les gars, là je vais vous faire le house tour de notre palace à Diego. Vous êtes prêts? Waouh. Ça c'est la maison. Ah Samina. Bienvenue chez Samina. Et là il nous fait le tour du propriétaire. C'est parti. Là c'est l'entrée avec la terrasse. Voilà. L'entrée, elle fait le, elle montre la maison. La star de la propriétaire de la maison, la star, dis bonjour. Attends, on te voit pas. Ah, t'es belle, dis bonjour. Coucou. Voilà. Waouh. Il est archi grand, les filles. Je sais pas si on va voir à la caméra qu'il est. À la caméra, mais c'est balèze. Attends, je vais essayer de le mettre comme ça. C'est super grand. C'est trop trop grand. Ensuite, la salle à manger. La cuisine. Ah, c'est un... Ouais, mais on voit. Cuisine. Avec le petit bar. Ensuite. Ouais, la chambre parentale. Allez, on monte.
Le premier étage qui est super grand aussi. Oui, on va commencer par la chambre de invités. T'as plus de course. Ça se voit, il a pris la poussière. La chambre des invités. Et j'ai... Bonjour. Bon, vas-y, c'est une chambre, mais pour l'instant, c'est un débarras. Ouais, c'est une chambre, mais là, c'est en mode débarras. La chambre de ma soeur. Elle dort, je pense. Ma soeur, elle a fermé. Coucou les filles, c'est le vlog. Et on montre ta chambre. Vas-y, présente ta chambre. Coucou les filles, c'est le vlog. Et la chambre de Samina. Non, de ma soeur. Ah oui, de ta soeur. Voilà. Et... Tu veux dire quelque chose? Tu veux dire quelque chose? Vous voulez dire quelque chose, les filles? C'est bon, oh. Rose, elle veut changer. Ouais. Dites-lui de pas changer en commentaire. La chambre à Samy. Ouais. La chambre à Samina. Et voilà. Wendy. Et Wendy. Oui, avec un beau miroir. Voilà. Parce qu'on est des stars. Et bien sûr, parce que trop des stars. Ta ta ta. Wow. Oh, c'est trop beau, Samina. Je te jure. Wow, photo ici. Trop star. Voilà. Wow. Elle est archi grande, la terrasse, par contre. Bientôt, je vais trop grande. Avec la vue, attendez, je vous montre bien la vue. C'est la bouche, les gars. Mais y a rien. Regardez jusqu'à. Bien ghetto, les ébus. Attendez, je vais zoomer les ébus. Avec les ébus. Après. Salle de bain. Bon, il n'y a pas encore le miroir, mais ça arrive. Mais au moins, vous voyez bien, douche à l'italienne. Et house tour 2. Ah non, je vais montrer la chambre, celle-ci. La chambre de son frère, mais elle n'est pas finie. Et en plus, elle est encore en travaux. Et lui, il aura la salle de bain. Parce que c'est une star aussi. Grave. Voilà. Voici le house tour. Oh. Donc là, on va où, ma vie? On va en ville après? En ville. Je pense qu'on va aller manger une glace quand même. Ouais, absolument. Ah, ok. Le soir, on va manger. Ouais. Demain, à vous, on va à la plage demain? Ou à la piscine? Piscine demain. Piscine. Demain, piscine. Plage après demain. Demain, piscine. Donc voilà! Et là, je mange des cannes à sucre. Trop bon. Tout à l'heure. Bon. Samina est conduit, ma star. Dis coucou. Coucou. Voilà. Diavati metti manga zara fusagne. Là, mais c'est où? On ne voit pas. Voilà. Voilà. C'est pas grave. Et Samina, on va manger. C'est quoi? Du tube. Explique ce que c'est. C'est. Non, c'est bon, c'est bon. J'ai encore mis dedans du lait, des vermicelles et de la farine. Cardamone. C'est quoi cardamone? C'est cardamone. C'est la première fois que je mange ça. Moi, j'aime trop et j'ai demandé à mamie de faire. C'est elle demande à sa mamie de faire, donc on va goûter. D'abord, je regarde sa tête. Ça m'a mis à bouger, tu es. C'est bon. Du gingembre. Hein? Gingembre? Non, pas de gingembre. Ah bon? C'est bon. Là, c'est archi bon. C'est bon, c'est pas mauvais. Hein. Mais c'est le l'amande, je crois, que j'aime pas. L'amande, je crois que j'aime pas. L'amande. Amande. Il y a pas de menthe. Amande. C'est quoi amande? Ouais, ta mère qui dit ça. Cardamone. Ah, t'es vraiment. C'est trop bon. Mais c'est bon, c'est bon. C'est ça là. Ah. C'est ça là. Ça, on a acheté mon prix là-bas. Ouais, ce que j'allais dire, ma mère. Non, j'ai donné ma billet. J'aime c'est trop. Quoi, hein? Ah, j'aime trop. C'est bien ça quand t'es malade. Non. Non. Dans bien. Les gâteaux. Merci, mamie. C'est bien sucré. Là, je suis avec Samina et sa famille. On est où? Et ça, ta famille. Attends, t'en as rentré. Et sa famille. On est où, t'as dit? Amical, ok, on a trouvé une amicale. Et là, on est parti manger des masquites. Regardez, je vais vous montrer. Attendez. Il y a plein de trucs, c'est trop beau. On va bien manger. Ok. C'est ça les filles, les masques. Ça les grillades. Ça c'est les grillades, c'est trop bon. Des brochettes de zébus.
On va trop bien manger les filles. Donc en gros c'est nous les Malgaches, genre on aime bien se poser comme ça au bord de la route et tout. Et genre juste on se pose et on mange genre comme ça. Je vais vous montrer. Genre en mode bien ghetto yacht et tout, c'est trop bien et c'est les meilleurs bouffes genre par un restaurant. Genre nous ça nous suffit. Eh hey, les gars c'est vraiment trop bon et elle squatte comme ça. C'est les meilleurs. Genre nous les Malgaches on aime trop. Bien poussière, bien assaisonné, c'est les meilleurs. Bien poussière, bien ghetto yacht, bien assaisonnement. Voilà. Bien gastro, bien diarrhée. Mais c'est mieux que les restos et c'est pas cher. Là je pense que on va manger des masques. Je sais pas. On verra après, on va vous dire après. Beaucoup, là, on est genre ouais. 8. Pour 10 euros, ça fait grave la casse. Ouais. Ça qui débarque. Je vous dis après. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis pas proche de cette coiffure mais bon. Donc, on va sortir, on va à la piscine. Donc j'ai mis une petite robe tranquille. Et on a notre star qui fait des photos. Piscine, il est quelle heure? Il est 10h44 du matin. Et voilà. Ça, c'est un fruit, Samina? Oui, c'est trop bon. Tu peux expliquer ça consiste en quoi? C'est un fruit, comment ça consiste en quoi? On mangeait avec quoi? Comme ça? Oui. Mais là, elle a perdu du jus. C'est acide? Sucré? Ouais, c'est acide et sucré. Mais okay. Plus acide. Par goûter un morceau. De prendre. Ça coule, là. Ça coule. Vas-y, goûte. C'est bon. Et le jus c'est encore bien acide, c'est trop bon. Mmh. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, là on veut quelque part mais on n'a pas l'adresse. On n'a rien, c'est vraiment avec ses repères qu'elle va y aller. Et ouais. On va chercher sa mamie. Ouais, accompagner au dentiste ma bichette. La bichette, oui. Bon, je reconnais. Tu reconnais? Du coup, comme prévu, on est parti avec Samina manger avec son ancien, parce que du coup on a parlé de ça. De lui. L'ancien patron. Voilà. Directeur de thèse. Hein. Voilà. Il a, vous voulez apparaître sur le plateau. Et changement. Et son ami qui est juste là, tout du coup. Voilà. Et donc on va aller manger des petits sacs. Donc on mange des nems avec. Attendez, je vous. Des nems avec, du coup j'ai pris un petit bonbon anglais et Samina une grenadine et des nems. Voilà, bon appétit, manger avec l'ancien patron de Samina. Ouais mon petit choupinet. Hey, c'était trop gentil. Vous voyez les blancs de base à Diego, enfin les Vaza à Diego, genre en mode ils sont un peu mal vus, non? Ouais, genre trop les touristes sexuels et tout et tout. Et quand on est arrivé sur la route, je me suis dit oh, elle m'a ramené où Samina? Genre en mode il y a que des blancs là. C'est bizarre, ils vont croire que genre ils nous draguent et tout, tu vois. Et qu'on est des chouins et tout alors que pas du tout, c'était des amours. Trop gentil, on a grave bien parlé, on devait rester 5 minutes hein, pour des filles, on devait rester 5 minutes. On est resté au moins 2 heures à parler là, je crois. Une heure et demie, c'est trop trop bien. Là on va chercher trop marrant. Trop marrant, des amours. Et je sais qu'ils vont voir cette vidéo donc cœur sur vous. Donc là on va chercher les petites sœurs de Samina. Et on va à la piscine. La piscine. Voilà, bisous. Bien. Bon les filles, nous sommes arrivées à l'hôtel avec... de la poste. Voilà, avec les filles. Elle m'a dit à la PS. Donc on va à la piscine. On va se baigner. On va se baigner. Samina aussi. Quand je suis sortie, le vent il m'a poussé. Voilà l'hôtel. Youhou. Alekwa no sate samina noe. Presente comme fiana kafianga fama katia noza. Alekwa no sate samina noe. Savananga nufati. Sawangala novati. Ambarakwa. Bon les gars, on est retourné au restaurant d'hier. Merci. On n'a pas le temps de réfléchir. Parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir, on a trop la dalle. Oui.
On était du coup aux auto-entrepreneuses. Elles ont kiffé leur vie. Vous avez kiffé les filles? Ouais, c'était trop bien. Ça va trop vite. Mais on dirait pas. Mais ouais, ça va archi vite. On dirait pas que ça va vite. Je sautais de ma chaise. Ah ouais, connu Samina, c'était trop. Ouais, ça j'ai vu ça, que vous avez connu Samina. Donc ensuite nous allons normalement dans une boîte qui s'appelle Taxi B. Ouais. Parce qu'en fait là j'ai Samina et sa cousine MDR. Elles vont danser le saleg et elles vont remporter 100 000 arrières. Vous savez ça fait combien 100 000 arrières? Samina elle, je te jure tes reins vont se débloquer. Avec la pression ça va se débloquer. Ouais. Sur la fin, ça a développé ta danse. En fait, tous les jeudis, c'est concours à Ligue. Et genre, y a 100 000 arrières à la clé. Mais vu que Keisha, elle est pauvre, elle va aller. Faut tout miser sur elle. Moi, je sais pas danser. Je sais même plus danser maintenant, je suis essoufflée dès que je danse. Ouais. Non, non, non. Avant, j'étais la reine. En fait, c'était avant. On va te chauffer, t'inquiète pas. Bon, là, on est parti manger. Là, on a mangé hier. Des brochettes, des achats. Au revoir. Ah, c'est tellement pas cher que... Voilà. Mais pas cher, mais bon, genre la qualité, t'as vu. Ouais, la qualité, c'est bon. Donc voilà, à ta... Vas-y, raconte. Déjà hier on a passé une bonne soirée et aujourd'hui on se réveille très très tôt parce que on va à la baie d'Antala. On va à la baie d'Antala dans une petite ville, dans une petite campagne, dans une plage privée. On va faire plein de photos, plein de trucs et là je suis très fatiguée, genre. Très très fatiguée. Et le monsieur il a des trop beaux yeux, le chauffeur. Il a les yeux bleus. J'ai pas vu. C'est trop beau. Vas-y. On part avec cette voiture et tout cette bagage. Ça c'est le chauffeur là-haut. Ils sont en train de mettre tous les bagages là-haut. Bon, du coup, c'est là qu'on dort. La plage. Notre guide Samina. Et à l'intérieur, oh, c'est trop mignon, c'est trop chou.
Et nous, elle est où notre petite cabane? J'espère que c'est pas les tentes. Hein. Non. Seigneur. Mais en tout cas, c'est trop magnifique. Zama montagna zo vi tenga tia no secchio. Ambarazani mari e che ti accusan tanto tanto anno. Ci sia no ti che c'è anche la nosa c'è. Ah, ma mère, regardez le lézard maintenant. Ah, attends, regardez le lézard maintenant. Attendez. Il bouge pas depuis tout. La vie de ma mère, vous savez que ça c'est de la folie sur terre. On dirait un caméléon, il est gris. Tarfoula. J'avais Xamila. Là on est. Putain, j'avais peur, on est dans la nuit. Regardez ma lampe, comment elle éclaire de. Kai, on voit rien, wesh. On va aller faire pipi. Xamila. Alors pipi. Voilà, on dirait qu'on fait des apprentis aventuriers. Mais vraiment? Trop bien. Waouh. Guettez comment la lampe elle éclaire. Ça c'est la lampe de Samina. Tiens. Waouh. C'est trop beau par contre. Les gars, on n'a pas le choix, on va chier dans la mer. Franchement, ouais. On peut pas comme jusqu'à demain là, ouais. C'est chaud. On va mourir, wesh. En plus, on mange trop de trucs là. J'ai trop bien dormi, franchement. Il y avait une bête qui marchait ici là toute la nuit. Ça manquait qu'il n'ait et j'avais trop peur. Donc dès qu'on se réveille, la vue. J'ai raté. Regardez. Waouh, l'eau bleue. Waouh. Charger ma caméra, mais on a fait voilà les photos et là on va aller manger. J'ai posté de aller sur Instagram pour prendre les photos et je me suis démaquillée et là on va tous manger tous ensemble. Et on dirait que t'as bon. Oui. Bon, week-end terminé, on rentre. Et moi, je vais dormir. Ça vient de commencer. Oui. Week-end, week-end ici à la plage privée est terminé. Bien. Oui, tu te présentes? Je m'appelle Lucie. Pourquoi tu la regardes comme ça, Sabina? T'as vu le visage archi serré, wesh. Non. T'as quel âge? 8 ans. Et t'habites où? À La Réunion. Tu dis bonjour à tous mes abonnés? Bonjour. Voilà. Donc les filles, aujourd'hui on est le lundi 8 août. Hier on n'a rien fait. Quand on est rentré de la plage, moi j'étais trop malade, les filles, j'ai vomi. Sur la route, vous connaissez hein, moi les routes de Madagascar, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'à chaque fois je vomis, j'étais pas bien. Du coup hier on s'est reposé et tout, j'étais un peu ballonnée. Là malheureusement hier tout s'est enchaîné, j'ai eu mes règles, j'ai encore mes règles, j'ai très mal au ventre. J'ai eu mal au ventre toute la matinée, j'ai pris des médicaments. J'ai décidé de prendre des médicaments parce qu'en fait moi je prends des médicaments que quand je vois c'est chaud. Là j'ai vu c'était chaud, j'ai pris. Et là j'ai fait une sieste avec Sam. Voilà. Et on se sent bien, on va aller en ville. Je vais acheter 2-3 trucs, j'ai besoin. On va à Jumbo, c'est comme si je vous dis on va à Leader Price. Voilà.
Et ma copine est venue nous voir à la maison. C'est la voisine. Oui. Voilà. C'est quoi ça? C'est des billes pour faire le slime. Ah, t'aimes bien faire du slime? Tu as de la colle de slime? Non, on n'en mangeait pas. Tu pourras acheter à Jumbo aussi. Si j'en trouve, je te jure que je t'achète. Et on fera? Ok, je te jure. D'accord, en vidéo. Ok, si je trouve, je te jure que je t'achète. D'accord. Moi, un bisou. On est trop mignonne. Vas-y, bon, à tout à l'heure. On arrive en ville. Et on a atterri dans un marché, sa grand-mère. Voilà, vous, vous avez peur. Ah, je savais pas. Elle a pris un sens interdit, la chérie. Mon frère. Tourne là, on va se garer là, ça doit être vers là. Hein. Ah oui, je savais pas, voilà, c'était pas marqué. Hein. En fait, les GPS ils disent pas. Mets-toi là, ouais, ouais mets-toi comme ça. Mais il est. Ah, c'est là. Voilà. Arrivé. Ma chérie. C'est un sens interdit. Mais comme on est trop belle, il nous a pas crié. Ouais. Voilà. Beauty privilege. Voilà. Bon, on y va. Bon, les filles, on est arrivées. C'est trop trop beau. Attendez, je vous montre. C'est quoi? On est où déjà? La terrasse du voyageur à Diego, je vous montre. Arrivé à Ascor. Je filmais pas depuis tout à l'heure. Bon, on arrive à Ascor. Et la vie ma mère, je finis pas depuis tout à l'heure. Oh, j'ai trop le seum. Fais-moi un petit partage, ma mère. Tiens. Oh, j'ai trop la rage. Ouais. Ah, j'ai trop la rage, vas-y. Donc, tout à l'heure, je sais pas, je disais que j'allais acheter des produits laitiers. Et ta musique? Je pense que la rime, c'est Zao. Bref, je vais acheter de quoi manger des yaourts. Et de quoi grignoter, voilà. Ça. Chocolat là. Ouais. Fraise banane. Ça doit, c'est bon, fraise banane. Ah, corotane. Où? Oh non. Moi. Pourquoi j'ai zoomé comme ça? Il y a fin de course. J'ai acheté des yaourts, mes biscuits préférés, des chips et je vais les manger maintenant parce que j'ai de la dalle. Trop bon. Ça fait 49 000 arrières. Ah ok. Ça fait 49 000 arrières et que ça, ce qui équivaut à un peu plus de 10 euros. Ouais, un peu plus de 10 euros. Ben, ça va quand même. Ouais, c'est cher. Bah, non, c'est plus cher qu'en France. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est cher. C'est vrai, c'est cher. C'est comme à La Réunion, je dirais. Ouais. Bah, parce qu'en fait, tout est exporté de France. Donc en fait, comme on a pris des trucs locaux, sauf qu'il est local, je sais pas. Dis-moi ce que tu fais là. Vas-y. Et hey, doucement, maman. Stop. Ils vont nous tuer là, c'est une grosse voiture. Hein. Bon, à tout à l'heure. Là, on va aller. On fait quoi, ma vie? On va aller manger une glace. Toutes les deux en amoureuse? Oui. Puisqu'on s'aime. Voilà. Un peu. Ah, ma énervée. C'est bon, c'est bon. Je me suis trompée 2-3 fois de route. T'as envie tout en plat? Oui. Je suis drama queen. Oui. Bah, toi aussi, hein. Non. Tu mens de baiser? Pas du tout. Quoi? Je suis pas une drama. Mais t'es une. Ah là, tu matrixes à mort. Je suis pas une. Tu sais que je suis pas une. Mais t'es. Je suis plus que toi, mais quand même. Mais je suis pas une drama queen du tout, hein. Ah bon? Mais pas du tout. Ah là là, mais qu'est-ce qu'est mon? J'ai jamais vu la meuf, on s'est trompé de route. C'était la fin du monde, genre. Genre. Vous avez vraiment trop la rage. Elle me disait des fermes là et tout au volant. Je peux pas trop parler. Mais parce qu'elle rigolait. Mais elle rigolait pas. Mais ma gueule, c'est marrant. Mais on va pas se perdre. Hein. C'est petit. Ouais, c'est vraiment perdu. On savait pas où tourner. Eh, c'est archi petit, les gars. C'est comme si je vous dis, je suis dans un quartier, genre. On est à Évry. Dans Évry, voilà. Alors. Ma vie, c'est pareil. À plus tard. Bonjour. Coucou. Est-ce que vous m'en voulez parce qu'hier on est parti dormir sans vous dire au revoir? Non. Non. Ok. Bon, aujourd'hui, programme du jour parce qu'on est trop tard. On va à la piscine. C'est où qu'on va? À l'hôtel de la baie. À l'hôtel de la baie, à Diego. Du coup, on s'est maquillé parce qu'on va faire des photos parce qu'on est trop tard. On va manger là-bas. Et ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? On va aller. Ah oui, après il y a une fille qui m'a contactée, qui m'a dit oh j'ai vu que c'était à Diego et tout, est-ce qu'on peut se voir? Donc on va à purée la casa je crois.
Et après. Je sais même pas c'est où la casa. Ah, moi j'ai dit oui quand elle m'a dit c'était où. Non, vas-y. Merde. Et après, on va au Melville. Au Melville. Donc voilà. Présenté comme Fiana Kaviana Fama Katianoza. Alekwa no sa chesa milano. Savananga no vati. Savangala no vati. Ambarakwa. Sinatima na yela ka fakila no za kanyemba nye. Fulanguroza kwa wa. Fisawafi angala na tangu indesu kupera tete. Anosa vite nifona ka edafi. Ano wale kufati. Bon, là les filles, je suis en train de chercher avec Tichy des lémuriens. Mais tes images tombent sur quoi maintenant? Attendez, attendez. Tes images tombent sur des oies, des fantasmes, des dindes. La ferme. L'hôtel où on est, il y a des lémuriens normalement, mais. La gueule. Trouvez-moi les lémuriens. Bon, là on va mettre de l'essence. Attendez, je vous mets en immersion avec nous. C'est un beau cas. Bah. Il n'y a pas de monsieur là? Non, aucun. Bah, on descend. Oh. On va mettre de l'essence, on met 10 000 arrière. 100 000. Qui, 100 000 arrière, ce qui équivaut à. 25 euros. 25 euros d'essence. Je sais pas. Ah. Non. Si, 25 euros. Parce que oui, 25 euros. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc hier, on a mis de l'essence là dans le même truc. Mais hier, on a été des grosses radines. On a mis que 50 000 arrière. Ça fait 10 euros, je crois. Un truc comme ça. Ouais. Forcément, oui. Donc voilà, nous sommes à. C'est quoi la station? Galana. Nous sommes à Galana. Attends, je brille de mille feux. C'est pas possible. Hein. Je dois me recomposer. Je dois m'ouvrir. C'est toi. Bolatara. 100 000? Oui. 100 000 arrière, Zafad. 100 000. 100 000 arrière. Essence, il y a. 100 000 arrière. Il y a. Essence. Il y a. Ouais. Bon, ils nous mettent l'essence ici, c'est ça qui est bien. Donc là, l'essence est mise. Maintenant, on part direction le resto à tout. Soirée terminée, c'était trop bien. La fille, elle était super sympa au final. On a bien parlé et tout. C'était trop cool. Mignonne. Trop mignonne. Demain, on se revoit parce que demain, on veut se faire masser parce qu'on est les stars de Diego. Moi, j'ai envie de me faire un massage. J'aime trop les massages. Genre, c'est mon péché mignon et en France, ça coûte tellement cher que si je peux profiter ici, je profite à fond la caisse. Donc, demain, je vais me faire masser et tout. On va se faire épiler avec Samina. On va prendre soin de nous parce qu'on est des très belles meufs. Et la fille qui se lance, genre, elle, je me lance pas de fleurs, genre. De ouf. Mais donc voilà, donc là on rentre à la maison, donc on est parti au resto et après on est parti boire un verre dans un petit bar comme ça, muni. Mais pas grand monde parce que bah c'est la semaine et ici on n'est pas parlé en fait. Voilà. Donc voilà, mais c'était trop bien. Franchement c'était bien, on a bien parlé. Donc là on rentre à la maison. Voilà, bisous, à demain. Tu dis à demain ma vie. À demain. Voilà. J'espère que vous allez bien. Nous ça va très bien. Alors comme prévu aujourd'hui nous allons se faire masser et épiler avec Samina. Et là c'est la première fois aujourd'hui que je prends le tuk-tuk, le taxi parce qu'on n'a pas de voiture. Alors on va marcher jusqu'à prendre le taxi avec Samina. La route, là, ok, ça c'est la poussière dans l'œil. Donc là on est à la brousse chez la princesse Samina, la star, avec son outfit of today. Ah la star, waouh. Waouh, cheveux au vent, petite pinte, waouh! Et donc voilà, bien broussailleux, au secours. Pourquoi t'as essoufflé? Bah, je sais pas, je suis grosse. Voilà. Salut! On a fait des mères. Zama montagna zo vitenga tia no tsekiu. Ambarazani mari nyeki tio kuzan tam tam ano. Si si no ti che c'è chi la nosa c'è ne la si zamarari fuoco azovi amine you tenga tieno e chi azovi amine you tenga tieno
tek mangangé izu sazatié no ato va déjà. Bon, les filles, on s'est fait masser. Moi, je me suis fait masser, épiler toutes les jambes entières. Comme ça, quand on est aussi bébé, bah, on est toute pimpante. Samina aussi, elle s'est fait masser, épiler. Et après, moi, j'en ai profité pour ma pédicure. Et on en a eu pour 50 euros le tout, 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 tout. Donc voilà, là, on est parti chez la grand-mère à Samina. Et ensuite, on va aller manger de glace. Coucou tout le monde! Tu dis bonjour? Hey! Tu dis bonjour? Dis bonjour. Alors today on a rien foutu. Hier soir déjà. Il est où l'arbre les filles? Quel arbre? Hier soir on est rentré pas d'électricité pendant 2 heures les gars. Genre on est resté pendant 2 heures sans électricité. Donc on faisait des devinettes, on jouait, on s'est occupé. Au final on n'a même pas pu partir manger une glace hier soir. Et là on s'en va en ville. Moi j'ai décidé d'aller. Pourquoi t'as fait ça ma vie? Comme ça, je fais comme ça. Ah ok. Parce qu'il y a un arbre, j'ai peur de le couper. Ok. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on sort. Moi je décide, j'ai envie d'aller manger au restaurant. Je dis je payais ma graille mais Samina je suis sûre elle sait pas où elle va me ramener au restaurant. Bah non. Voilà, c'est toujours la même histoire. Et demain Samina veut qu'on aille au sport. Mais elle veut pas. Mais si je vais l'accompagner mais il faut qu'elle me ramène dans un magasin. Parce que je dois acheter des robes pour ma famille et moi. Et réveille-toi trop ma mère. Hein? Faut que je te réveille tout. Bah tu me réveilleras, voilà, bref, à tout à l'heure. C'est écœurante. C'est alors les gars, tu fais un vlog là? Ok, mon parfum de glace c'est menthe chocolat, genre vous voyez menthe avec les pépites de chocolat. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui aiment aussi parce que j'ai l'impression que je suis un extraterrestre. Ouais c'est un extraterrestre. C'est incroyable le mélange. C'est pas beau. C'est pas beau. Bon les gars, j'espère que ça va. Moi ça va, je suis en train de regarder ma série. Je suis en train de regarder You Don't Know Me. Du coup aujourd'hui on n'a pas fait grand chose. On est juste parti manger une glace avec les petites. Manger une pizza en terrasse en ville. Et après on est rentré à la maison. Voilà, en ce moment c'est vrai qu'on a un peu détente et tout. Mais vous voyez, à Madagascar c'est vraiment genre slowly la semaine. Personne sort, c'est plus le week-end où ça bouge et tout. Donc demain on est vendredi, on va sortir. J'arrête de dire le programme en avance parce que du coup à chaque fois on le fait pas et vous vous attendez du coup au montage à ce que je fasse un truc que je ne fais pas. Donc j'arrête de me prononcer. Vous verrez demain. Et voilà, ce qui est sûr c'est que samedi on va encore sur la plage privée. Ça c'est cool et je me suis fait dévorer par les moustiques. Là encore il y en a un. C'est horrible, je me fais bouffer. Là je suis en train de regarder You Don't Know Me. J'aime trop cette série, dites moi en commentaire si vous aimez bien. Et voilà. Je vais me reposer. Mais j'ai beaucoup dormi. Il est déjà 23h26 mais ici 23h26 c'est comme si je vous dis 3h du matin. Genre tout le monde dort. Samina est là en bas, je crois que je sais pas ce qu'elle fout. À demain. Ah bah elle est là Samina. Je parlais de toi. Je disais que tu dois être sûrement être en bas. Oui, j'étais vraiment en bas. Voilà. Tu l'as dit pas. Tu l'as dormi. Bonne nuit à demain. Coucou tout le monde, ça va? Et les gars, j'ai pas dormi de la nuit. Et en fait, le truc c'est que Samina, c'est même pas Samina. Sa cousine m'a réveillée. Elle m'a soulevé du lit à 5 secondes, je devais me préparer. On fait ça, c'était l'armée. C'est-à-dire que là, je la vois encore, je réveille tellement je dormais. Et on va au restaurant. Ce qui me reprend tout à l'heure. Vous avez été rassasiées les filles du restaurant? Oui, non. Enfin, bof. Encore faim? Ouais. Voilà. Ça mérite un dessert. On est censé aller manger chez quelqu'un, mais j'ai l'impression qu'on rentre chez nous. Je comprends pas. Bon. Docteur. On va voir un docteur. Ah, je vous ai pas raconté. Oui, on a des. Attendez, je vais vous montrer. On a de ces piqûres sur le corps. Ouais.
que moi et Samina qui nous démangent toute la journée. Et genre c'est pas des piqûres de moustiques. On sait que c'est pas ça, mais quand je dis les filles, j'en ai partout. Attendez, miskin là, genre Samina, je peux pas vous montrer parce qu'elle conduit, mais moi. Je sais pas si on va voir. Genre, ouais, on dirait que j'ai la variole du singe, les filles. Et genre, sur toute ma jambe. C'est horrible. On dirait que j'ai la varicelle sur tout mon bras et tout. Attendez. Vous avez vu? Des petites piqûres comme ça. Et Samina aussi, miskin. Elle, comme elle est blanche, bah, genre, c'est tout rouge. Ouais, ça soit tout. Miskin. Donc, comme le monsieur c'est un docteur, bah, on va voir. On va demander ce qu'on a. Un truc qui enlève. Au moins un truc qui enlève les démangeaisons et. Oh, on va se débrouiller. On va changer de niveau. À tout à l'heure pour voir le verdict. Hello! Bon, de retour. Donc, d'après le médecin, ce que nous avons, c'est. Roulement de tambour. Samina, tu dois dire. Grou. Tu dois dire ce qu'on a. Ouais, je t'ai mal tout roulement de tambour. Bon, on a des punaises, voilà. Voilà, tout le monde il est là, tout le monde il est content. On est passé à la pharmacie, on a acheté un truc. Là, on est parti faire nos ongles, mais il y a du monde, regardez. On attend dans la voiture, c'est un truc bien ghetto youth comme ça. Moi, je vais réparer puisque cassé. Je peux pas aller en vacances comme ça, t'as capté. J'ai acheté des fossiles, mais Théma, les fossiles, vous voulez voir? Ah, c'est ça que t'as acheté? Non, j'ai acheté de la cire parce que voilà. Donc, Théma, imitation Redouane. Voilà. Et j'ai acheté des fossiles, mais ils sont trop moches. Mais pourquoi t'as pris alors? Mais j'avais pas le choix. Il y avait que ça. Mais c'est pas grave, au moins j'aurais des fossiles. On dirait des pattes d'araignée. Beurre, jamais de ma vie je peux mettre ça. Ouais, je sais ce que je vais faire. Genre, je vais couper et je vais mettre sur les. C'est trop extravagant. Et donc voilà. Donc là, je vais réparer. T'as croqué dans tous les trucs ou quoi là? Non, j'en ai croqué dans que un. J'ai croqué que dans un. Elle achète des moufakoun, je les fais, c'est dégueulasse. Non. Ils sont même pas sucrés, c'est genre. Bon, ouais. Il est quelle heure même? Il est 18h40. Et après ce soir, on est censé sortir. Faut que je me récupère. Donc voilà, à tout à l'heure. Bon, là, on est parti manger. Ça vient. On est parti manger des glaces comme d'habitude avec les filles. Moins de chocolat. Coucou, comme d'habitude. Dégueulasse. Moi, je sais pas. Dégueulasse. Et il y a toujours pas yaourt. Ah. C'est quoi là-bas là? J'ai. Grenadine. Ah, je vais prendre ça. Voilà. T'as pris quoi? 10 ans. Ok. Oh, deux premiers checks. Et toi? Check Canada. Et toi? Et toi? Taille glace, menthe, chocolat. Et moi? J'espère que vous allez bien. Nous on est rentrés. Là on est vendredi, du coup on va sortir. Est-ce que c'est normal de s'en foutre au point de sortir en boîte sans se maquiller, s'il vous plaît? Les filles, je me suis même pas. Je vous mets bien. Je me suis même pas un peu maquillée. Genre je vais rien savoir. C'est bon, je suis au bled. La flemme. Samuel en mode talon et tout, moi je m'en claquette, hein. Genre je m'en fous. Je m'en fous. Genre j'ai fait la même vernis, j'ai mis une robe. Je suis là-haut. Je t'attends. Je t'attends. Donc voilà, on sort, regardez comment elle est, Samina. Elle est où? Sam? Waouh. Non, je suis pas prête, c'est pas. Et quoi? Je suis pas encore prête. Regarde ma gueule, wesh. Tu vas te maquiller là? Bien nature. Bah, un petit peu. Je connais mon make-up, moi. Make-up gribouillage. Voilà, anti-cerne. Voilà. Mascara, je suis fraîche. Mmh, je viens à donner, c'est pour ça que je me maquille pas. Hein. Franchement, je vais en claquer de tout, je m'en fous, j'ai rien à prouver. Papillote, ça fait tout. Papillote, c'est les fossiles, les filles. Sa mère, elle dit papillote. Voilà, bon, à tout à l'heure. Départ à l'OCB aujourd'hui. On part donc on prend le taxi rouge, je vais vous montrer. Okay.
Zama montagna zo vi tenga tia no tsekiu Ambarazani mari nye kitio kuzan tam tam ano Si si ano ti tie Tienki la noza tienye Kwa si zamarari foko Azovi amine you tenga tieno Eki azovi amine you tenga tieno Tseki mangange Kubisiko Tim 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 go bicycle, you want a go bicycle. Tim 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 go bicycle, you want a